Yo, c'est Kiraho. Aujourd'hui, les gars, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Du coup, on se retrouve déjà rouillé. Tu m'as interrompu dans mes intros, ok? Du coup, je disais, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai voulu faire une pause. Voilà, tout le monde connaît les pauses, voilà. Et du coup, là, j'essaie de reprendre petit à petit. C'est, voilà, ça fait bizarre un peu, mais on va essayer, les gars, on va essayer. Du coup, comme vous le voyez, les gars, je suis sur GTA 5 et on est en mode police. On est là, en mode police de Santos. Du coup, on va tout de suite se prendre un petit véhicule. Oh, mais c'est un malade, lui. Lui, il reçoit la police comme ça. Attends. Il a de la chance. Il a de la chance. Du coup, voilà, les gars. Et j'ai pris une petite voiture. On va demander une inter. Je sais pas qu'est-ce que je peux demander. Wow, l'intervention est 6 km. Mais là, on fait toute la France. Là. Ok, ça part en poursuite. Oh là 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 là. On part en poursuite, les gars. Allez, c'est qui part. Là, comme vous le voyez, la voiture. Enfin, le pack de voitures, d'ailleurs, c'est un pack. C'est un pack non-laisse. Du coup, les gyros, ils sont juste magnifiques, quoi. Rotatif. Rien de plus beau. Et donc là, en fait, les gars, genre là, j'appuie sur aucun bouton. La sirène, elle est toute seule, elle est automatique. Ça, c'est vraiment super. Comme ça, j'ai rien à faire. C'est carré. C'est carré dans le box. Oh, quand on s'approche du suspect. Ok, donc il est shérif avec nous. Ça, c'est chaud, ça, c'est chaud. Ok, donc le suspect, il va sur l'autoroute. Il va archi vite, hein, par contre. Ça a abusé. Oh, la caméra, là. Oh. On n'est pas dans une cinématique, là. On n'est pas dans. Un film d'action là, c'est quoi le bain? Ok, donc le suspect il est juste devant nous. On va le tirer dans les pneus pour qu'il se rache quoi. Oh, je sais pas viser. Oh là là, allez hop, une recrevée, mon pote. Il va dans le taco. Oh là là, il aime pas les tacos. Lui. Ok, une autre recrevée. Oh putain, encore une recrevée. Oh, il tire. Allez là, tu bouges plus là. Allez là, tu bouges plus. Oula. Allez là, au sol. Voilà. Oh, le mec il est dans la voiture, n'importe quoi. Par contre, les sirènes. Oh là là. On se croira en fête foraine là. Wow. Le bordel que c'est. Du coup, alors. Est-ce que le monsieur là des antécédents? Il est. Suspendu de son permis. On va lui faire une palpation de sécurité. Ok, d'accord. Je lui montre sur le capot carrément. Yam, ok, il a rien de dangereux. Bon, monsieur, vous venez parce que là, vous êtes dans le capot, vous êtes pas Harry Potter, d'accord. Voilà. On va le mettre là. Donc, monsieur, on va procéder à un test d'alcoolobie. D'alcoolébie et pas d'alcoolobie. D'accord, donc monsieur n'a pas bu. Et monsieur n'a pas pris de drogue, d'accord. On va appeler une patrouille qui est dans le chercher. Et on va appeler une dépanneuse pour son véhicule. Hein. Une petite dépanneuse. Franchement, les gars, dites-moi si vous kiffez ces vidéos comme ça là. Sur GTA ou. Un peu chill quoi, enfin chill. Grosse poursuite. Mais voilà, c'est chill. Ok, donc il y a le coco, il y a le collègue. Il y a Fabrice. Ok. Bon, on va enlever le truc là. Et pour nous, c'est bon, on va partir à l'intervention. On est redispo pour intervention. Juste, on va réparer la caisse. Voilà. Et je sais que dans la vraie vie, on peut pas faire ça, mais là, on est dans le jeu. Bon, on le fait, hein, logique. Hein. Pourquoi on n'est pas sans privé? Ok. C'est où ça? Ok. Ok, les gars, on part pour un braquage, donc c'est type hein. Oh là là, la poubelle. Elle a liqué ma caisse, la poubelle. Non, mais c'est sérieux ça. Ok. Ça part en poursuite, du coup. Je pense pas qu'on va la retrouver. Vu comment qu'ils sont. En vrai, il y a moyen qu'on la retrouve. S'ils sont à pied, il y a moyen qu'on la retrouve. Ah, on les a retrouvés. Ils sont où? Ils sont dans le magasin? What? Ils sont où? Je fais son derrière. Poussez-vous, c'est la police. Hein. Nous, on n'est pas des rigolos. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ok, on a une caisse qui est vandalisée.
Bon bah c'est mort les gars. Ils sont barrés hein. Bon bah ils sont barrés hein. Écoutez, on va pas la retrouver hein. Ok les gars, on part pour un suicide je crois. Enfin il y avait marqué homicide, je sais pas c'est trop c'est quoi. Ah ouais c'est ça, c'est un mec qui s'est suicidé. Ouais c'est super joyeux ça hein. De base je disais moi c'est une vidéo détente joyeux. Bah putain y a un cadavre. Bon. Me note English, ok. Alors je suis parce que je comprends ce qu'ils disent. Hein. Du coup on va appeler les coroners. D'accord, donc je mange son dos, d'accord. C'est très très roleplay tout ça. Du coup on va appeler les coroners. Ok donc les coroners ils sont là. C'est des coroners ou des mecs de la NASA? Parce que vu leur vêtement, voilà. Ça se voit, ils font des satellites. Attends, je peux interagir avec la voiture. C'est nouveau ça. Ah, d'accord, avec le. D'accord, donc je fouille les cigarettes, normal quoi. Ah, donc j'ai ramassé la poubelle carrément. Donc je suis un policier SDF. D'accord, d'accord. Bon bah c'est une fin d'inter. Hein. C'est une fin d'inter, voilà. On est redispo les gars. C'est pas parfait tout ça. J'attends vraiment ma vie. Du coup les gars c'était Kiro. Et j'ai carrément le jeu à crash. Merci. Merci beaucoup. Du coup c'était Kiro. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo bientôt. Sur ce, je vous dis ciao.